pièces. Oui. Elles sont pensées et étudiées. En fait, je travaille avec un garçon qui était premier, qui a été formé chez Lanvin et chez Hermès. Il est passé premier chez Hermès du temps de Martha Margiela. Et on a travaillé ensemble à New York chez Biblas. Et là, on a décidé de faire une collaboration, d'avoir une vraie collaboration entre un couturier et un premier atelier. Pas uniquement mettre des... Oui, oui, oui. Une griffe dans un vêtement copié au puce et d'avoir une vraie relation avec, avec un premier atelier. Donc là, vous avez une première robe sac en crêpe de laine stretch. Alors, ce qui est très joli, c'est que comme en haute couture, quand j'ai travaillé chez Dior, quand vous faisiez les robes noires, elles étaient toujours doublées de chair ou de, pour avoir une sensation un peu de lingerie. C'est chic. Et puis Yagel m'a dit de coudre mes griffes avec un peu d'or. Donc du coup, on fait ça pour bonne chance. Ouais, mais évidemment que vous allez, ça va marcher. Donc alors, en fait, toutes les robes... qu'il a acheté à Paris, ça? Alors ça, on ne sait pas pour le moment. À Paris, pour le moment, c'est les... Merci. Les ventes ont commencé hier. On est pendant 3 jours à Paris dans l'appartement de Rémi. Et c'est davantage des acheteurs internationaux qui viennent. On a eu des Russes, des Canadiens, Istanbul est venu, on a des gens du Middle East qui vont venir, donc c'est très très, c'est très très excitant d'avoir tous ces... Moi je suis contente. Oui, non, c'est amusant, c'est un joli concept. Donc, c'est vrai que c'est une bonne... La robe qui vient ici est une robe en crêpe de laine noire. Et alors, c'est tout un... Vous savez, les femmes, elles ne veulent jamais faire voir cette partie-là. C'est jamais beau pour une femme menue ou pas menue, d'ailleurs. Et donc, c'est un peu l'esprit comme un pliage un peu origami. Et ça donne un peu l'idée d'une manche, si vous voulez. Et c'est très flatteur, même pour une femme qui aura plus de poitrine. On pourra absorber la poitrine, elle sera jolie. Les coutures princesses sont légèrement sur le milieu de devant. Et puis ça. Et ça, du coup, ça augmente, ça amincit. Si vous voulez, vous avez le petit gros grain qui va revenir. Et toujours la doublure. Et la doublure est toujours aussi en couleur chair. Très chic. Avec le petit gros grain qui passe ici. Ah oui, c'est très joli ça. Sur l'autre aussi, elle est sur toute la longueur. En fait, il y a 3 petits thèmes. Il y a un thème de robe jour. En crêpe de laine stretch et des robes en organza et des robes plus structurées en faille.